Deuxième reprise. Hallucinant championnat WBA de Supercoupe. Non, c'est passé à côté. Oui, les mécros sont passés. Et il va avec les crochets gauche et droit. Et là, ça fait mal aussi de l'autre côté. On met toute la puissance dans chacun de ses coups. Ouais, parce que même s'il a le gant, comme il est collé au visage. Oh là là là, qu'est-ce qu'il se met dans. On a un coup au corps. Jean-Claude qui n'était pas remonté sur un ring depuis 9 mois, depuis son dur combat face à Rubio Zarate. Machine à distribuer des coups. On parlait tout à l'heure, Jean-Claude, de rapaces, d'aigles, de panthères. Ce sont tout simplement deux extraterrestres sous l'œil de Anne, la femme de Maillard Monchipour, qui est accélération. C'est bien comme ça dans l'angle du ring. Voilà, ne pas le laisser sortir. Varier. Bon travail défensif de Maillard, mais bon travail défensif également de Sichachawa, qui a des remises dangereuses. Et c'est pratiquement Jean-Claude, les accélérations qu'on lui a vu faire au sac, Maillard Monchipour, 1 minute 30 à frapper, frapper, frapper. Et il est bien Maillard là. Ouais, il faudrait qu'il s'assoie un petit peu plus. Allez, à toi, voilà. Oh, ça fait mal au poing. Le crochet droit qui est arrivé de la part de Maillard Monchipour. Il est toujours là et il reste ce Thaïlandais Somsak Sichachawal. C'est l'une des plus féroces batailles, bagarre qu'on a vue dans les cordes depuis des années, Jean-Claude. Oh. On a inversé les rôles. On a inversé les rôles. Allez, Maillard. Sichachawal est en train de rompre. Il est en train de rompre. 40 secondes dans cette troisième reprise. Maillard qui est en train de dégainer, de laminer le Thaïlandais. Allez Maillard, oh c'est terminé, c'est terminé. Il ne va plus pouvoir tenir, il n'y a pas de compte debout. John Coyle est prêt, était prêt à intervenir. Et où va chercher Sichachawal ce regain. Ouf. Extraordinaire. Et c'est vrai, comme il n'y a pas de compte debout, soit il arrête le combat, il est touché. Allez. Et c'est bien joué. Allez Maillard. Oh là 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 là. Quel renversement de situation. C'est hallucinant. C'est extraordinaire ce qui se passe. Avec Anne. Mesdames, messieurs les abonnés, vous êtes en train de vivre l'un des plus grands combats de ces dernières années et le mot n'est pas trop fort. Ah, au niveau de l'intensité, au niveau de la violence, je ne crois pas qu'on puisse faire mieux, on va écouter. Et il ne faut pas que tu attendes, c'est tout là. Il faut arrêter de les recevoir. Tu en prends, tu n'arrêtes pas d'en prendre. Esquive, essaie de sortir des cordes. Sors. Récupère, récupère. Allez, respire un bon coup, respire bien fort. Allez, respire, respire. En ton temps, il faut sortir de cette situation. Allez, tu comprends, tu m'entends? Allez. À la traduction de notre journal de canal, le voilà, Surya Inbuti, pour ne rien manquer de ce combat, la quatrième reprise. C'est un concentré de tous les grands championnats du monde que l'on a pu vivre en France, à l'étranger. Jean-Claude, voilà, tiens rien. Mais il n'a pas récupéré. Sichachawal n'a pas récupéré. Mais attention, il reste quand même très dangereux. On s'en est rendu compte. Il faut que Maillard continue la pression. Cette pression qui lui réussit parfaitement. Et ça ne s'arrête pas. Toujours présent, toujours devant. Jean-Claude, quand on demandait à Maillard Monchipour de se qualifier en un mot, il disait indestructible.
Pour l'instant, il est en train de le trouver, mais en face, oh, et il y a du grand. Et attention, parce que s'il ne réagit pas, Sitiad Chawal, John Coyle, au bout d'une grêle de coups, l'arbitre pourrait intervenir. Et il le regarde. L'arbitre a les yeux fixés sur le regard du Thaïlandais. Attention. Oh, il donne des coups pour en finir, le Thaïlandais, mais ça n'arrive pas. Et pour l'instant, le pressing de Mayer Moshipour fait la différence. D'émotion. Jean-Claude, on en est à la moitié du quatrième round seulement. Mais il faut rester prudent. Il faut rester prudent. Ce Thaïlandais est très fier. Et surtout encore avec son crochet gauche. Ah, si vous étiez avec nous, Jean-Claude, sur Canal Sport, jeudi, lorsqu'on a revisité la carrière de Mayer Moshipour, un concentré de ces 6 championnats du monde. Eh bien, le concentré, il est là, dans ce combat. Ce soir, oui, c'est un résumé, en fait. Dale, c'est un résumé de ces 6 premiers championnats du monde. Et ça, il aime. Ça, il aime. Et avec le sourire, avec le coup d'œil, Mayer est là, il est bien présent. Il va peut-être avoir besoin de respirer un petit peu, non? Bah, il n'a plus les mêmes appuis, Samsak Sitiad Chawal. Oh, ça fait un moment, hein. Il n'a pas récupéré. Mais il reste devant dangereux. Sur un coup d'instinct en survie, il faut faire attention. Et le rythme imposé, les coups reçus en bas ont fait la différence. Et on va forcément voir ce qu'en pense un grand champion du monde français, Fabrice Thiozo. Oui, Fabrice Thiozo, hein, vous nous confiez là, vous n'avez jamais vu un combat d'une telle violence. Ah bah non, mais Mayer, c'est que des combats comme ça qu'il fait, il a 12 rounds à fond, il peut prendre des coups, il va à terre, il revient, il boxe, il tape partout, il prend des coups, il dit rien, c'est super, c'est bien. La différence justement là dans ce combat, comment Mayer peut battre Sitiad Chawal en continuant comme ça à l'asphyxier? Oui, voilà, ouais, mais c'est comme sa tactique, hein. Il l'a dit ce matin dans les journaux, il va l'étouffer puis il va le gagner. Et à mon avis, bon, bah, c'est bien parti. Maintenant, il fait peur parce qu'il prend des coups, des freins un peu bizarres, mais c'est super. Ça donne envie quand même d'être sur le ring. Ouais, ça donne pas envie de prendre de faire des combats comme ça, mais ouais, ça donne envie de monter sur un ring. Ouais. Merci Fabrice. C'est vrai que c'est pas complètement l'idéal, mais dans 4 forces majeures, ma foi. Et comme Mayer, mon chiffre, on n'a pas le choix.